Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau petit vlog. On est mardi. Puis il est 3h45, si jamais vous voulez savoir. J'arrive de l'école, je suis allée rapido presto à l'épicerie. Je perds mes mots. Aller à l'épicerie pour genre vraiment des affaires pas tant rapport. J'avais trois choses sur ma liste parce que demain, ça va être jour de tempête. Ce qui veut dire pas d'école. Faut pas le dire trop fort. Donc, je suis allée me chercher des chips scoop. Comme ça me tentait de faire les petits nachos scoop là, que je fais pour un lunch de tempête. Ensuite, la tzatziki pour le souper de demain. Si jamais je peux pas sortir, il m'en manquait. Prosciutto. Là, je vous reviens, mon téléphone a sonné. Et là, ça fait un petit bout, je me souviens plus que je montrais. Ben, genre, j'ai acheté trop d'affaires à l'épicerie, là. Mes petits scoops. OK, mon prosciutto. Parce que j'ai une burrata, puis je pourrais peut-être manger ça comme pour dîner demain. Me faire un petit dîner le fun. Et là, je recommence à vous parler et j'ai un autre appel. Hi, baby! Bon, on essaie pour la troisième fois la gang. Mon petit babe s'en vient et genre juste de savoir qu'il s'en vient avec les cheveux coupés, je vous jure, j'ai les jambes cassées. Comme j'ai les jambes qui plient en deux. Il est tellement beau, genre ça me donne comme des frissons. Ok, j'arrête, je suis comme folle. Mais pour vrai, là, c'est comme tout le temps beau, mais comme quand il y a une belle petite genre comme fresh cut, là, it's different. Ok. Et là, d'ailleurs, je voulais juste seulement dire, j'ai fait une gâterie pour mon homme et moi. Ça, je n'ai jamais vu ça. Et là, c'est le temps de Pâques, c'est le temps des petits cocos, les petits cocos de Pâques. Des mini eggs. Non, des. Ouais, mais c'est écrit mini eggs, mais c'est genre mini œufs Kinder. Mais genre avec du filling comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Et là, j'ai envie de goûter ça avec vous. C'est avec un filling de noisette. C'est comme genre style Ferrero Rocher un petit peu. Et ça, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais c'est tellement bon. C'est les fameux biscuits là, qui sont dans toutes les épiceries à toutes les fêtes. Là. Donc là, c'est édition Pâques. Bon, des petits bleus, des petits jaunes. Je me suis dit que ça faisait tempête, que ça faisait festif, que ça faisait le fun. Et je vais goûter un petit œuf avec vous. Et après, je me mets sur mon souper parce que ce soir, c'est soir de spin. Deuxième classe, je suis tellement excitée. Par là, c'est comme plein de gens que j'aime en même temps qui vont spinner dans la même salle. Genre Anna Baby, mes deux cousines, la fiancée à ma cousine. C'est comme juste trop d'énergie en même temps. Je suis pas sûre, je vais passer en travers. Trop hâte. Donc, pour se starter ça comme il faut, se starter le ringolo, comme dirait. Le jigidou peut-être plus qu'elle dirait Jocelyne dans Radio Enfer pour se starter le jigidon. On va y aller. Là, je vais me calmer. Je fais pas d'allure. Je sais pas ce que j'ai là. Puis j'ai même pas pris un chocolat encore. Donc, voici le petit chocolat. Ça a l'air d'un ballon de football. Et je vais goûter. Ben, je comprends pas là. Ça a l'air comme le dedans d'un Kinder Ben Omar. De proche, ça a l'air d'avoir des petites noisettes, là. Mais, c'est trompeur, là. Pas brun comme là. Ouais. C'est bon. Ça goûte le Kinder. Kinder, très bon. Là, donc, je vais commencer à souper. Ce soir, j'essaie un saumon à l'érable et à la sriracha. Mon amie Anna qui m'a inspirée à essayer ça ce soir. Une recette très facile de. J'ai tout le temps la misère à dire là. Omeglin. Omeglin. Omelin. Omelin. Oglemeng. C'est Geneviève. En tout cas, de cuisine santé, là, vous savez peut-être de qui je parle.
Mais c'est ça, saumon, érable, sriracha, j'ai tout à la maison, ça devrait bien aller. Hein? Mon amour! On sait papa qui s'en vient, il est beau comme un cœur! Oh! Ils sont comme bons. C'est que ça avait l'air des nouveaux, mais dans le fond, ça a juste l'air avec une deux normale. Bonjour bébé! Oh, c'est trop beau! Oh, ça a ouvert à nouveau? Ouais. Nice! Ça a-tu bien été? Ouais. Avez-vous eu des clients? Oh, ouais. Nice! Ça fait dur, hein? Ouais, c'est ça que le monde manquait. Ouais, ça fait dur, hein? J'en veux d'autres, non? Comme des petites, hein? Un petit pignon. Ah, ben, je sais pas si tu savais que j'aime manger, non? Oui. Ok. Je vais montrer dans le blog comment t'es sexy. Ben, je suis née sexy. Bonjour. Regarde comment il est bon, mon amour. Un beau petit bébé. Merci. Là, je sais pas si vous allez m'entendre, mais ouais, je vais vous parler pendant que je fais ça. Je vais essayer d'économiser mon temps. Mais ouais, on avait vu cette recette-là sur Instagram. Puis là, je viens d'aller la trouver sur la plateforme genre Mordu là, de Radio-Canada. J'aime ça, là, c'est sur cette plateforme-là aussi que les deux... deux filles, Christine et Vanessa, font comme genre des petites capsules. J'aime bien ça. Puis, c'est vraiment facile la sauce, juste du sirop d'érable et de la sriracha dans le fond. Je suis en train de faire revenir des asperges dans la poêle. Puis, eux autres, c'est de suite cuire ça dans le four. Moi, je vais vraiment juste aller dans les tuveuses pour mon saumon. J'aime tellement le cuire dans les tuveuses de Épicure, là. Ça prend vraiment pas de temps. C'est super facile, c'est le résultat est vraiment bon. Donc la sauce est juste un sriracha puis du sirop d'érable. Je vais rajouter du poivre un petit peu. Je pense pas que vous aurez vu une sauce plus rapide que ça. Bon. J'avais acheté des petits saumons. Là, je vais les préparer, les mettre dans mon étuveuse. Je vais couler ça dessus. Ça va prendre genre 5 minutes, là, même pas là, dans le micro-ondes, avec du petit riz et ça va être perfecto. Là, donc finalement, à la méthode de cuisson a changé. Le chef Francisco voulait cuire son saumon dans la panne. À la Gordon Ramsay. À la Gordon Ramsay. J'ai jamais cuit ça à la Gordon Ramsay, là, on rit parce qu'on écoute le Next Level Chef. Là. Mais en tout cas, des asperges, saumon. Érable et sriracha, du petit riz. Puis j'ai coupé des petits légumes. Puis aujourd'hui. Mais tu sais, Carmine, tu fais cuire ça dans le fourneau. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais oui. Dans le saumon, je voulais même pas le faire là-dedans. Je voulais le faire dans les tubeuses. Anyway. Mais il y a pas ça qui fait ça. Oh, toi là. Ça fait trois. Ça fait 3 ans que tu manges ça, mon homme. Ouais, ben, j'ai jamais signé. C'est comme faire manger. Ben, c'est ça. Je suis déjà gâté. Puis mignon. La gang, j'arrive du spin. Comme là, c'était une vraie de vraie classe. Tu sais, l'autre fois, je dis pas que c'était pas une vraie classe, mais je dis que c'était comme learn how to spin. Là, j'ai chaud encore en face. On a eu des petits poids. On a travaillé les cuisses. On a tout fait. On a tout fait ce qu'il y avait pas à faire. Puis je suis assez fière de mon panel, là. Je capote. Genre, mes cousines étaient là. La blonde à ma cousine, puis eux autres, là, ils sont bout dans le spin. Genre, je gardais ma cousine, là. Elle était tellement belle à voir. Mais en même temps, je suis assez fière de moi, ma chum. Comme, c'était tout du monde qui savait spinner, puis qui était au bout, puis qui était tout le temps debout. Puis comme, nous autres, on fait ce qu'on peut. Moi, j'essaie d'aller debout au début de la tune, de m'asseoir, rider, genre, juste spinner. Puis à la fin, j'essaie de me donner un dernier coup de pouce comme à la fin de la chanson. J'essaie de faire ça à chaque, mais comme j'écoute comment je me sens, j'écoute comme que je suis capable de faire. Puis comme je suis assez fière de nous autres, puis comme malgré comme tu peux essayer de penser, tu peux être comme oh my god, comme que le monde va dire, comme que le monde va garder, genre il y a personne qui te garde. Il y a personne. Puis ça c'est dans n'importe quoi là, j'ai dit ça dans l'autre vlog, mais comme y a juste toi-même, genre, qui va te dire, comme, qui va penser ça, puis qui va te dire ces affaires-là, puis comme, qui va te limiter. On est notre seule limite, genre, comme, ça vaut rien, là. Anyway, on a embarqué dans le char, on s'est fait un pep talk,
Puis on était trop fiers de nous autres. Et oui, je pourrais conquérir le monde. Et puis là, oh mon Dieu, on riait après, mais pour vrai, tu te sens bien, tu te sens comme... Et genre, j'ai pris un an de mon temps, je suis allée bouger pour moi-même, j'ai fait ce que j'ai pu, puis en même temps de ça, j'ai fait un party. La toune, genre, il y a du Shania Twain qui a passé, et il y a la toune de Missy Elliott. Genre que j'adore. Il y avait plein de chansons. Je me sentais genre à comme... au club genre de l'université que j'étais 8 ans passés là, au Bacchus. Donc, si vous savez la référence, vous savez. Mais non, j'ai adoré. Mais pour vrai, vraiment fière de moi. J'ai eu chaud, j'ai travaillé fort. Et là, je vais aller prendre une douche. Puis en plus, Francis et Molly ne sont pas là. C'est rare que j'ai la maison à moi-même. Je vais aller prendre une petite douche. Commencer mes soins de peau. Puis après, je vais me faire une bonne collation. Je vais me couper des fruits. Ou je vais peut-être me faire un smoothie. Un smoothie genre comme juste plein de fruits. Comme genre style sorbet. Je vais peut-être me faire ça. Mais pour vrai, là, trop fière de moi. Fière de nous. Fière de tous. Whoop, whoop. Puis en plus... vous pouvez pas voir, non, vous pouvez pas voir. Mais j'avais des nouveaux leggings. Moi, je suis pas dans la... c'est bien beau commencer des nouvelles affaires, là. Genre, là, je suis dans ma Spin Girl era. Mais là, je suis pas rendue dans ma Lululemon era. J'aime bien dépenser, mais dépenser des leggings qui coûtent un bras et une jambe. Je suis pas rendue là dans ma vie. Mais je sais que comme genre, quand tu commences, tu ne peux plus arrêter. Mais moi, j'en avais acheté une paire une fois, puis je l'avais acheté comme trop petite, puis comme ça m'a comme découragée. Mais moi, j'ai tout le temps aimé mes leggings du Home Navy. Genre, je les adore, j'ai rien à dire. Je fais du sport, ils baissent pas. Comme là, on dirait ça me pogne, ça me tient. Tout aussi satisfaite. On s'entend que ça doit pas être la même chose. Tu sais, je dis pas, là. Je compare pas des pommes avec des bananes. Mais je veux dire, je les adore. Puis ils sont comme en petit matériel. C'est drôle parce que mon ami s'en a commandé justement des loulous, genre ce matériel-là. Mais c'est comme ça, voyez-vous? C'est tellement confort. En plus, j'ai des petites poches ici. Puis chez OnlyVie, c'est ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de taille. Et moi, dans les leggings, je prends des X large. Puis ça me fait vraiment bien. Puis tu sais, c'est stretch, là, pareil. Là. En tout cas, je les adore. Donc, si jamais vous cherchez une place qui vous coûte pas 3 paquets de fraises, ben, OnlyVi est la place pour vous. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 petites robes d'été. Je les adore. Je pourrais vous les montrer peut-être demain, là, mais je les ai montrées sur Insta. Donc, peut-être que je vous les montrerai pas là. Vous les verrez en temps et lieu. En temps et lieu. J'ai fait beaucoup de liaisons, là. En temps et lieu. Mais c'est ça. Puis j'ai eu quelques messages genre « Oh, tu devrais nous montrer tes robes ou des idées ou comme... » Mais c'est ça. Donc, de temps en temps, là, quand j'ai des morceaux ou des nouveautés puis tout, je pourrais vous en faire part parce que... moi, j'aime ça être bien dans mon linge. Puis, tu sais, je porte pas du medium, je porte pas du large. Tu sais, comme, si je veux vraiment être bien, tu sais, je prends une robe XX large, 2X large, 1X large. Ça dépend. Si c'est fait grand X large, ça dépend au H&M, là, des fois, le tissu, puis tout, là. Mais je trouve qu'il n'y a pas, comme, beaucoup d'options. Puis le 16, puis c'est, comme, plate. Je vous en avais parlé, là, sur Insta. Mais, ouais. Donc, si jamais, moi, je sais vraiment, vous me vendez tout le temps où je prends mes robes. C'est vraiment H&M, Old Navy, Pennington, Reitman. Puis là, j'ai Woman's. Je les ai pas mis encore, mais ils sont super belles. Puis en plus, c'est une compagnie québécoise, mais il n'y a pas beaucoup là, de compagnies québécoises qui font du linge taille plus. Donc, c'est ça. J'essaierai de vous montrer mes petites trouvailles, là, ici et là. Puis, si jamais vous avez d'autres magasins, là, n'hésitez pas. Mais avec le printemps, l'été qui approche, hein, je sais que ça peut être un sujet comme sensible un peu. Puis, je sais que tout le monde peut se remettre en question puis essayer de faire mille et une choses pour fitter dans notre linge de l'année passée. Si vous ne fitez plus dedans, puis là, après, ben vous mettez à penser, puis... je sais, là, tu sais, c'est pas évident, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment d'être
douce envers vous-même, puis comme la vie est tellement belle, puis la vie est tellement courte que juste penser à comme à genre aux petits chiffres là sur votre linge, comme si vous essayez une robe au magasin, puis qu'elle vous fait, puis que vous portez genre du medium, vous portez du large, vous portez du extra large dans la vie, puis là, elle que vous portez, genre, c'est un 1X large, mais comme, qu'est-ce que ça dérange? Comme, je vous souhaite vraiment, genre, de juste acheter ce qui vous fait, puis ce que vous aimez, puis juste de pas vous priver, puis je dis pas que, tu sais, je comprends, là, c'est important d'avoir un équilibre, tu sais, comme... Je marche sur mon tapis, puis là j'ai commencé le spin. Je dis pas que, tu sais, rien là, rien faire, mais si c'est ça que vous faites, tu sais, je vous juge zéro. Mais je veux juste dire, il y a comme un équilibre, tu sais. Je vous souhaite juste d'être bien. C'est comme le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Je sais pas, je m'enligne où avec ça, mais là j'ai pensé à robe, puis là été, puis. Ah, je sais que c'est pas évident, puis je vous le dis tout le temps à chaque été, puis je vais probablement le dire 1000 fois. Je suis pas elle non plus, genre, que je dis ça tout le temps. Là. Comme je suis pas elle qui a le plus confiance en soi, puis comme je me promènerais pas en maillot sur le bord de la transe. Là. Hello, it's Min! Hola! Tu sais, comme catwalk, là. Tu sais, je ferais pas ça. Mais comme je me sens belle, je me sens bien. Quand je suis en robe, je me sens toute coquette. Tu sais, je suis bien. Mais je comprends que c'est pas évident. Puis je sais que c'est un cheminement, mais je vous souhaite d'être là, puis de penser, tu sais, comme, il y a juste vous, dans le fond. Si vous, vous êtes pas bien avec vous, vous pouvez pas, genre, espérer que les autres, comme, vous doivent ça. Je sais pas comment expliquer. Là, je m'emporte, puis je déparle, mais dans le fond, juste, one love. Je vous aime, vous êtes belle. Là, je parle au féminin, juste parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de garçons là, qui m'écoutent, là. On est 98% des femmes sur ma chaîne. Donc, Girls Power Queen. I love you guys. Mais à tous les boys ici présents, même chose. Ça, d'ailleurs, je trouve que c'est un sujet qui est oublié. Genre, les hommes plus size. On peut-tu en parler? Je trouve ça dommage. Puis moi, j'adore Carl. Sur Insta, Carl Hardy. Québécois, là, genre créateur de contenu. Je l'adore. Genre, il est juste... Il est parfait. Je l'aime beaucoup, puis je trouve qu'il véhicule genre un beau message, donc je vous suggère d'aller le voir, puis comme c'est d'ailleurs, il fait ça, il fait souvent des campagnes genre sur l'estime de soi, puis la confiance en soi, puis je trouve que c'est beau, puis je trouve que c'est comme un côté comme oublié. Mais ouais, donc là je me suis emportée, ça a zéro rapport, je parlais du spin, je parlais de l'été, des robes, mais pour vrai, juste je vous souhaite d'être bien avec vous-même. Donc, je vous adore, puis je sais que c'est pas facile, puis là, je dis ça, mais comme, je sais que pour certains, c'est beaucoup plus que ça, puis c'est beaucoup plus difficile que ça, puis c'est comme un cheminement, puis... En tout cas, je vous souhaite juste un jour à la fois, puis je vous envoie plein d'amour pour peu importe ce que vous vivez. Moi, je vous trouve belle en titi. Donc là-dessus, je m'en vais me laver, et on se reparle demain. Parce que je vais avoir une snowdé. Chut, faut pas le dire trop fort pour me jinxer. Mais ouais, douche, skin scare, remplis mon lave-vaisselle, je l'ai vidé. Puis après, je pourrais relaxer avec mes émissions. Stat et indéfendable. À demain! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, journée de tempête. C'est pour ça que nous avons un look totalement cozy.
et naturel. Donc, je viens de terminer mes petits soins de peau. Et je suis comme encore comme en pyjama. J'ai mis une bête robe pyjama, genre jaquette, avec un sweater. Si j'avais voulu savoir, c'est pas mal mon look que j'aime être cosy à la maison. Mais après tous ces vlogs, je pense que vous avez compris un petit peu mon style cosy maison. C'est pas mal ça, mes bitches. Mais puis d'ailleurs, c'est une des robes là, comme ça que j'avais dit dans mes stories d'Insta que j'aime beaucoup au Old Navy. C'est tellement confort, c'est comme genre des robes t-shirts. C'est vraiment léger, le fun. Mais ouais, la gang, je voulais vous faire un petit petite capsule genre livre, lecture. Donc si ça ne te tient, si ça te dit pas grand chose, je t'invite à skipper, mais pour les gens qui veulent peut-être avoir des idées, je vais vous parler de mes deux dernières lectures et je vais vous montrer genre mon colis beaucoup trop généreux, genre je suis reconnaissante fois 1000. Donc, ça fait plus d'un an, je dirais, que je reçois des livres des éditeurs réunis, puis je suis tellement reconnaissante parce que j'adore les livres. Mais tu sais, à la longue, là, s'acheter des livres, on s'entend que ça coûte des sous. J'ai la bibliothèque bien pleine, mais là, j'en reçois deux. Puis je suis tellement contente parce que c'est les livres genre que j'adore. Genre, tu sais, des chick-lists, des histoires comme tu sais qu'est-ce qui va se passer, mais pas trop. Anyway, moi j'adore. Donc, si vous aimez ce genre de livre-là, je vous invite à rester. Je sais pas si je vous ai parlé de ma lecture du mois passé. Mais c'était Les Diamants éternels, puis c'était vraiment bon. Dans le fond, c'est, je pense que je vous ai parlé de ça un peu, là, mais juste pour vous faire un petit wrap-up. C'était une fille que son grand-papa est décédé, puis là, elle a eu un héritage, puis elle n'a pas eu l'héritage qu'elle s'attendait. Elle a eu vraiment comme... Ben, je peux pas vraiment vous dire, parce que sinon je vous gâche le punch. Mais anyway, il y a un petit Ariano dans le portrait qui a comme un lien avec son grand-père. Finalement, ils vont se rapprocher ou peut-être pas. Donc, j'ai vraiment aimé pour vrai. Et là, tout après, j'ai commencé ici, je faisais enfin à ma tête. Celui-là, les diamants, il date de l'an passé, si je me trompe pas, ou comme de cet été. Ça fait un petit bout, là. Lui, il est plus récent. Ici, je faisais enfin à ma tête. Donc, dans le fond, c'est Juliette, là. C'est une jeune à... Je suis rendue plus que la moitié, là. Celui-là, c'est pas mon préf, pour vrai. Genre, je le lis, c'est quand même bon. Tu sais, il y a des moments dans ma lecture, comme des fois, quand je lis des livres, puis comme j'en vois pas en tout, comme je m'oblige pas à lire, parce que comme ça s'entend pas. Mais c'est pas à ce niveau-là. Comme, tu sais, c'est correct, il y a comme des petites affaires cocasses qui arrivent. Mais il y a comme trop d'histoires, trop de personnages. Comme là, il y a un gars qui vient d'arriver. Ça a l'air qu'on a déjà parlé de lui dans l'histoire. Je me souviens pas c'est qui. Il y a beaucoup. Puis comme là, c'est ça. Donc, elle vient de graduer, genre, dans le fond. Puis là, elle avait un emploi. Puis son emploi vient de la dégager. Donc là, elle décide de faire un trip. Puis comme de genre de s'en aller en Europe. Puis pour un stage là, dans le fond. Mais ouais, c'est correct, mais comme c'est pas mon préf. Donc si jamais ça vous dit, mais ouais, comme je vous dis, j'embarque pas vraiment dedans. Puis je suis comme mêlée, là. Elle va dans des hostels, tu sais, comme de jeunes. Puis là, elle rencontre un jeune. Puis là, elle va dans un autre village, puis c'est un autre jeune. Puis là, ben, où est-ce qu'il est lui? Puis un petit peu mêlée pour ma tête, mais c'est correct, là. Je suis comme hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, genre, à la fin. Mais là, la gang, j'ai reçu un colis hier, parce que ça donne des fois que j'imagine les auteurs comme publient en même temps. On dirait que c'est la même personne. On dirait que c'est le même. On dirait que c'est comme le même format, puis tout. Mais ça a juste à donner. Je suis de retour. Je suis juste allée voir vite fait s'il y avait comme un lien, mais non. C'est juste étrangement, c'est comme la même épaisseur. Puis on dirait que c'est comme. Il y a des petites fleurs comme entre les chapitres qui se ressemblent. Trop casse. Mais bon. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture pour chaque parce que le vlog va durer 35.
minutes juste pour ce bout-là. Mais là, on est déjà probablement rendu proche de ce temps-là. Mais je vais juste vous les montrer rapidement. Donc, on a... puis aujourd'hui, le 15, genre les trois, les trois sortaient en librairie. Ça, c'est comme le fun. J'ai Marieuse à temps partiel. Comme ça. Donc, j'imagine c'est quelqu'un qui marie les gens, genre. Parce que c'est ça qu'elle dit, là. Le temps d'un été, genre... ça a l'air quelqu'un qui vient de finir l'université, puis elle veut se commencer une job d'été, marier le monde. Puis là, ses amis l'encouragent. Je vais juste lire ça vite fait. Elle dit qu'elle a des projets. Puis là, ah, ok, je peux voir. Elle marie les gens, mais là, vu qu'elle marie les gens, des fois, elle reste au party. Puis là, elle vient de voir un DJ. Et puis, en gros, ça dit une pétillante chiclette haute en couleur. Donc ça, c'est en plein mon genre. J'adore. Sinon, celui-là, je trouve que c'est nice. C'est la faute au destin. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est nice, là. C'est qu'on dirait qu'elle est comme un petit peu hors la loi. Elle va dessus une clôture. On aime. C'est une jeune journaliste. Elle s'appelle Olivia. Lorsque le ciel lui tombe sur la tête, donc j'imagine qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Oh, elle se donne la permission de flirter avec un inconnu. Une comédie romantique sous le signe de la destinée. Super. Encore une fois, en plein dans mes cordes. Et la dernière, c'est cute aussi. Entre cousines, les retrouvailles. Ça doit être cute. Ça doit être comme genre des cousines qui se rencontrent dans une maison ou là comme dans un spa, peut-être dans un chalet. Ou donc c'est ah, ok, quand leur tante, il y a une de leurs tantes qui vient de décéder. Puis là, il lègue à chacun. Ok, il donne genre un montant genre à chaque cousine. Puis là après, ils se font une fin de semaine avec ça. Puis là, ça parle de leurs horaires chargés. Puis là, ils ont des tempéraments comme opposés. Puis il va y avoir des petites montées de lait. Donc, on dirait qu'il va y avoir des petites chicanes. Puis, ça dit une chiclette désopilante à consommer sans modération. Désopilante. Désopilante. La gang, savez-vous quoi ça veut dire, ça? Désopilante. Moi, j'avais jamais entendu ce mot-là. Ça se peut que vous autres, vous étiez derrière l'écran puis vous êtes comme, ben voyons, mine. Dans le fond, désopilant, c'est comme, ça me décrit. Ça dit, hilarant. Hilarante. Dans le fond, moi, je suis désopilante. Voyons. C'est comme, donc ben, un pas beau mot, genre, on dirait, genre, tu désoses comme tu dépoiles. C'est comme comique. Mais bon. Et donc, c'est ça, les trois nouveautés de chez les éditeurs réunis. Je vais mettre le lien en barre d'infos, comme d'habitude, mais c'est ça, vous pouvez pas juste les retrouver sur le site, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle librairie. Donc, c'est la gang des éditeurs réunis. Puis, d'ailleurs, je vais bien continuer ma lecture aujourd'hui. Je pourrais la finir, puis je vais bien en commencer un, là. Je sais pas quel je vais commencer... Peut-être les marieuses. Me mettre dans la mood nostalgique du mariage. Mais c'est ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais aller continuer. J'ai commencé des lavages. Sinon, ça va pas mal être ça. Je vais écouter des petits vlogs, lire, puis prendre ça bien relax. Mais ouais. Donc, je vous aime bien gros et on se reparle tantôt. Bonjour, je repasse ici juste rapidement avant d'aller continuer à plier mon lavage. Petite rectification. Donc là, je parlais des éditeurs réunis, mais c'est parce que c'est d'eux que je reçois les livres habituellement. Parce que c'est la maison d'édition là. Mais là, si je comprends bien, moi je reçois des livres du groupe Bernard. Non. Du groupe Bertrand Éditeur. Donc, est-ce que eux ont beaucoup de maisons d'édition? Genre les éditions réunies que je vous parle de. Et là, les éditions JCL.
Donc, les trois nouveautés que je vous ai parlé, ça vient des éditions JCL. J'ai jamais entendu parler d'eux. Première fois que je reçois des livres. Donc, j'imagine peut-être qu'il y a beaucoup de maisons d'édition avec l'éditeur. Je sais pas si ça fait du sens. Mais merci quand même la gang des éditeurs réunis parce que c'est d'eux que j'ai mes livres habituellement. Et merci aux éditions JCL. Nouvel amour pour vous. Mais c'est ça, je voulais juste mettre ça au clair. Parce que j'ai parlé avec eux après sur Instagram, j'étais un petit peu mêlée. Mais c'est ça. Donc sur ce, je voulais juste vous dire que je vais vous mettre les deux liens dans la barre d'infos. Et on va aller continuer de plier mes petits lavages. Bon, je suis en train de faire mon petit dîner qui n'a pas vraiment l'air d'un dîner de tempête. Mais vu que j'ai le temps, je vais faire un bon dîner noum. Puis, c'est ça. Et dans le fond, j'ai mis... L'autre fois, j'avais mis du pesto dans le fond et j'ai adoré mon expérience. Donc, pesto, juste du petit pesto d'épicerie, là. Je l'ai pas fait, ça me tentait pas. On a pris la version facile. Donc, aujourd'hui, j'ai changé un petit peu. J'aime ça mettre des petites affaires différentes, là. Donc, le pesto, des petites tomates, j'ai coupé finement... Ben, moyennement finement, là. Des nectarines, du prosciutto. Et c'est pas mal ça. Maintenant, nous allons mettre la pièce de résistance. Look at that beautiful burrata! Waouh, waouh, waouh! What a town! Ça a l'air d'un petit... je sais pas quoi ça a l'air, mais... Ça a l'air comme d'un... Je sais pas, un bonhomme, genre de dessin animé. Ensuite, nous allons mettre des petits oignons verts. Je vais m'en couper davantage. Je vais m'en couper un petit peu d'autres. Après, je vais mettre du poivre. Ensuite, je vais mettre ail et herbes. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive. Et du vinaigre de balsamique. Et je vais aller manger ça en écoutant des petits vlogs. Là, on se retrouve pour le souper. C'est quelque chose que j'aime faire une fois de temps en temps, puis là ça doit faire longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Quand j'ai dit à Francis qu'on mangeait ça et il a capoté le gros cri. Donc là il y a du poulet en train de cuire avec des oignons verts, du sel, du poivre, puis l'épice grecque de pumpkin. Ensuite, dans mon petit bol ici, j'ai des tomates cerises. J'ai des oignons verts encore une fois, des morceaux de cocon. Après, moi, je m'ajoute des olives, mais Francis c'est comme pas un grand fan. Donc, j'en rajoute genre comme dans mon wrap à moi. Je vais mettre un petit peu de sauce comme ça, là, la Renaise grecque. Donc, juste un petit peu pour ajouter une petite touche de noum-noum. Ensuite, je prends comme des pitas dures comme ça que je vais venir chauffer un peu. Pas trop parce qu'après ils viennent trop durs puis on peut pas comme les filer, les tourner comme ça va vraiment venir faire comme un wrap comme ça. Dans le fond, c'est comme un... Je sais, il y a comme une prononciation spéciale, mais c'est comme gyros ou gyros ou comme... Je pense pas vraiment qu'on prononce le G, mais en tout cas, G-Y-R-O-S. Noom. Et puis, dans le fond de ça, je vais mettre la tzatziki. Et je vais servir ça avec des petites wedges. Donc, j'ai fait un petit peu trop cuit les pains. Habituellement, je les mets genre juste dans le micro-ondes pour comme les dégeler. Mais là, je les ai faites vraiment comme dans le four. Et ça me tentait d'être funky. Ça me tentait que ça soit un petit peu plus croustillant. Donc là, ça fait comme un géant taco grec. Regarde, on aime ça, on aime ça. Mais
Je mets genre tout le temps du foil là, pour que ça tient comme ensemble. Puis quand on mange comme dans des restaurants comme ça, ben ça vient tout le temps avec un petit foil. Là, on dirait que ça fait comme spécial. puis là après, je mets tout le temps le reste juste au milieu de la table puis on mange la petite salade. Puis je vais nous mettre nos petites wedges dans nos assiettes. Donc c'est un souper qu'on aime rapido presto, puis comme même l'été là, c'est tellement frais, c'est bon. Puis avec nos petits wedges, on aime mettre un petit peu de tzatziki. Donc bon appétit! Bonjour la gang, bonsoir je devrais dire. Je viens de terminer ma douche, mes petits soins de peau. Et là, je m'en allais me coucher, il y a environ 9h30. Puis c'est ça, donc je voulais juste vous dire un petit bye bye. Merci d'avoir écouté ce petit vlog. Puis n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires si le cœur vous en dit. J'adore ça, vous répondre. Mais ouais, donc j'espère que vous avez aimé mon petit vlog, bien tranquillos. Sinon, plan de match pour le reste de la semaine. Demain, c'est déjà jeudi, donc demain, c'est une belle journée avec une classe que je connais, vendredi aussi une autre, puis c'est deux journées dans des niveaux que j'aime beaucoup, donc ça c'est plaisant, puis après, ben, c'est déjà vendredi, puis rien de planifié en fin de semaine, une petite fin de semaine tranquille, mais sinon, les plans demain... J'ai un souper avec des amis. Dans le fond, c'est une de mes amies que j'avais rencontrée à l'université. Puis là, ben ça fait longtemps maintenant, là, elle vit au Québec. Puis là, ben, elle descend avec son mari. Donc là, on va aller souper les quatre demain. Puis vendredi, mon petit bébé a une soirée avec ses boys. Ben avec des boys, puis je devrais dire ses cousins. Plus comme les amis à son cousin parce que c'est un party de couche. Donc il va devenir papa. L'autre jour j'avais été comme un baby shower surprise, je vous avais dit, mais là c'est son party couche. Donc moi ça va être une solo night, puis je pense que je vais aller me chercher des sushis. Noum noum. Je vais me faire une petite soirée cozy, relax à la maison avec Molly. Donc c'est ça les plans pour le reste de la semaine. Puis vous, je vous souhaite une belle fin de semaine, puis un beau week-end aussi. Je vais dire ça à la place de fin de semaine et là, comme genre la fin. Ichou! 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 Oh, ça c'était des gros achou. C'est rare, vous m'entendez faire ça. Mais bon, donc une bonne fin comme de la semaine qui se passe en ce moment et un beau week-end. Mais ouais. Puis, si jamais vous voulez me dire vos petits plans de fin de semaine ou quoi, laissez-vous aller dans les commentaires. Là. J'aime tout le temps savoir qu'est-ce que vous faites de bon par chez vous. Donc, je vous aime bien gros. Merci pour tout. Puis, on se voit très bientôt. Bye!